en avril 2007, nous organisions notre rassemblement national qui réunissait à l'époque nos 550 volontaires qui agissaient un petit peu partout en France. Nous les réunissions à l'époque sur Paris. On a découvert, on a entendu parler de Jacques Seid, on a rencontré Damien Mirambeau et on a tout de suite flashé, on va dire, mutuellement entre cette jeune association et son projet et notre envie de rechercher une journée utile, concrète et qui est autant utile à l'association et à sa mission Jacques Seid qu'utile à nos jeunes en termes d'apprentissage de cette problématique du handicap. Et de là, en fait, est né le concept des journées de l'accessibilité, vraiment en partenariat avec Unicité, en discutant avec deux permanents d'Unicité de l'époque. On a vraiment construit avec eux cette idée de pouvoir les former en un laps de temps pas trop long, donc grosso modo une demi-heure, trois quarts d'heure, leur donner des zones d'une ville à quadriller par petite équipe, donc au début c'était 2, 3, etc. Et après, donc, on les voyait dans les rues de Paris, et il y avait une espèce de vague orange ce jour-là, avec donc les 550 ou 600 volontaires d'Unicité partout dans Paris, donc c'était assez génial. Et puis après Unicité, on avait aussi des contacts avec les scouts et guides de France, et du coup on les a rencontrés un petit peu plus tard, dans l'année 2007. Et avec eux, la première action qu'on a menée, c'était en février 2008 à Lyon. On a organisé une journée de l'accessibilité. Et là, il y a plus de 200 ou 200 scouts qui sont venus. Donc là, c'était plus les t-shirts orange, mais c'était les chemises rouges. Des pionniers Caravelle, des scouts et guides de France. Donc là aussi, c'était super. Et puis, un peu comme avec Unicité, ce qui a été fait à Lyon, ça a bien plu. Donc après, on l'a refait à Montélimar. Un rassemblement de jeunes qui venaient aussi un peu partout de France. Et puis, du coup, après Montélimar, on a fait Orléans, Béziers, Rodez, plein d'autres villes.